Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le salon Materials and Light, ici au 104 à Paris, 11 et 12 septembre 2023. On attaque la deuxième journée et on est ravis d'accueillir Florence Slama-Gaillard. Bonjour Florence. Bonjour Fabrice. Directrice commerciale du salon. Justement, on va en parler de ce salon Materials and Light. D'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, ce salon c'est quoi ? Alors, ce salon a été conçu à la base par le magazine DEA, qui est le magazine référent de la prescription. Voilà, pour proposer une alternative aux salons existants, les gros salons qu'on connaît habituellement en prescription, notamment des Batimat ou Equipotel par exemple, dans un format qui est beaucoup plus convivial. C'est 2 jours d'exposition avec ponctués par des conférences, par des formations et des soirées festives. Donc voilà, l'objectif étant de faire dans un lieu parisien et de pouvoir attirer un maximum de prescripteurs. Voilà. On est déjà à la 9e édition, Florence. On était habitué à un autre lieu, le Carreau du Temple à Paris, et là on se délocalise dans ce bel endroit, hein, peut-être un petit peu moins connu, le 104 à Paris, mais formidable pour l'exposition. Exactement, alors le 104, bon, je ne vais pas développer particulièrement, mais c'est en tout cas un lieu qui nous satisfait beaucoup, parce que c'est un lieu qui reste parisien, mais surtout qui est absolument apprécié de la prescription, hein, puisqu'on a remarqué lorsqu'on a fait une étude de marché que beaucoup de prescripteurs avaient leur agence basée à proximité du 104. Et puis en termes d'espace, eh bien, c'est beaucoup plus adapté, je dirais, que le Carreau du Temple, puisqu'on a un espace vraiment dédié aux expositions au travers de l'étage du haut, et puis un espace un peu plus cosy pour les interviews ainsi que les conférences et formations certifiantes dans l'étage du bas. Donc c'est parfait. L'étage du bas où on se trouve, effectivement, on a de la place, voilà. Et on a tout un tas de conférences, des conférences certifiantes, hein, des formations. Des formations certifiantes qui sont données donc par la MAF, qui permettent donc aux architectes de les faire entrer dans leur cursus, ce qui est plutôt intéressant. Et ensuite, on a pas mal de conférences qui sont notamment données par des associations professionnelles sur des matériaux ou sur de l'éclairage, puisque ce sont les deux axes de développement du salon, Materials and Light. Voilà. Un petit mot du visitorat. Qui est-ce qu'on attend? Qui est la population qui vient sur cet événement? On a justement un visitorat assez traditionnel, évidemment, de prescripteurs, que ce soit des architectes des PLG ou des architectes d'intérieur, designers, ainsi que des maîtres d'ouvrage. Mais on a aussi un autre visitorat qu'on voit moins dans les salons de prescription, en tous les cas en France, sont les concepteurs lumière, ainsi que les urbanistes et les paysagistes. Parce qu'il se trouve que depuis quelques temps, les solutions d'éclairage ont trouvé, je dirais, la possibilité d'avoir la parole au sein, de ce salon. Il y a une véritable synergie qui s'est créée entre les différents exposants, qui est plutôt très intéressante, et les exposants de mobilier urbain aussi, qui étaient habitués à des salons où ne visaient pas la prescription type salon des maires, par exemple, ont pu, par exemple, s'exprimer au travers de ce salon où il y a, en termes d'architecture et de lieu, la possibilité de mettre en avant leur solution designée. Voilà. Solution design, bien évidemment, mais aussi solution durable, hein. Il y a un mot qui revient, ouais. C'est développement durable, c'est sustainability en anglais. Voilà, la notion vraiment de quelque chose qui va durer dans le temps. On prend en compte évidemment l'empreinte aussi écologique. On a l'impression que c'est un vrai sentiment, on le retrouve dans beaucoup de stands aujourd'hui. Ah bah oui, on est de toutes les manières, on n'a pas le choix que de s'adresser évidemment au monde de demain. Donc on le voit aussi bien effectivement à travers les solutions d'éclairage, mais aussi à travers les matériaux. On a par exemple, on parle beaucoup de béton décarboné. Oui. De bois, on a aussi des solutions de revêtement de sol qui sont 100% recyclées, on a également des solutions de sanitaires salles de bain qui répondent aux normes d'accessibilité ou aux économies d'eau par exemple. Donc effectivement l'objectif c'est de pouvoir proposer d'être en adéquation en tout cas avec le monde de demain. Voilà, avec énormément de solutions géosourcées, biosourcées, voilà, recyclées. Exactement. Comme vous l'avez dit. Un petit mot aussi de travail, mais aussi un aspect festif, hein, puisqu'il y a deux soirées. Oui, voilà, il y a deux soirées. Donc, une première soirée privée donc, qui est dédiée effectivement aux exposants. Ils peuvent faire venir un maximum de clients, de prospects, effectivement, au travers de cette soirée. Ça marche plutôt très bien, puisqu'il y a une véritable synergie qui se met en place
entre les visiteurs et les exposants eux-mêmes. Donc ça fonctionne très bien. Et la deuxième soirée, c'est un concert de rock donc, qui sera dispensé ce soir et qui est ouvert au public. Donc n'hésitez pas à venir. Mais pas n'importe lequel, hein, parce que je crois que les rockers sont eux-mêmes archis. Voilà, ce sont des architectes, donc ça donnera la possibilité effectivement de convier d'autres architectes, un autre public plus large qui ne connaît pas forcément le salon, mais qui par contre est aficionado déjà de archi-rock. Voilà donc exposition, formation, moment aussi conviviaux, voilà ce qui fait le charme de ce salon Materials and Light. La formule 2024, pour ceux que ça intéresse. Alors, on sait déjà je voudrais ajouter quelque chose qui est très important aussi pour les exposants notamment, c'est qu'on est sur un format de salon qui est vraiment intéressant puisqu'on propose un accompagnement général, à savoir à la fois technique, avec une scénographe, avec un agenceur qui réalise les modules de A à Z quasiment. Et puis, on a aussi un accompagnement en communication. Le fait qu'on soit un groupe de communication nous permet effectivement de mettre en avant l'ensemble de nos exposants. Donc, on a un retour sur investissement qui est plutôt intéressant pour l'ensemble de nos exposants. Et ça, je pense qu'on peut s'en vanter. Et l'année prochaine, eh bien, on va retravailler encore plus notre formule de façon à satisfaire davantage exposants et visiteurs. Et a priori, on sera toujours au 104 sur les dates des 9 et 10 septembre, si tout va bien. 9 et 10 septembre 2024, voilà, pour participer au prochain Materials and Light. Ce sera la 10e édition, donc on peut s'attendre à encore plus de surprises. Exactement. Merci Florence Lamagalère. Je rappelle que vous êtes directrice commerciale du salon MNL Materials and Light et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.